Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un unboxing. Et ce sera un unboxing sur la box mensuelle du mois de juillet des Dryades. Donc, si jamais vous connaissez pas les Dryades, ce qui m'étonnerait, du coup, c'est la boutique de Sarah et de Neven Tattoo. Et ils ont un système de box mensuelle. Je crois que je vous en avais déjà parlé d'une en même temps que la vidéo sur l'oracle. Et ça, du coup, c'est la box mensuelle du mois de juillet. Donc, j'ai trop hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Toujours une très belle boîte, hein, avec le petit logo des Dryades dessus. On y va. Quand on ouvre, hop, et là, ça se présente comme ça. Donc ici, il y avait le petit livret explicatif que j'ouvre qu'à la fin parce que sinon, en fait, on se spoil de ce qu'il y a dedans. Donc là, normalement, sur cette partie-là, vous avez le mythe. Et sur cette partie-là, vous avez tout ce qui contient la box. Tout ce que contient la box. J'ai déjà vu un truc qui me plaît trop. Il est magnifique. Je pense que c'est un... Ouais, il y a un petit trou pour mettre des bâtons d'encens. Je pense que c'est un encensoir. Mais c'est trop beau. J'adore tout ce qui est représentation de soleil, de lune, tout ça. D'ailleurs, je l'ai en tatouage. Mais c'est magnifique, il est trop beau. Ensuite. Ah oui. C'est l'encens, du coup. Elles sont trop bons. Bah du coup, pour aller avec l'encensoir, on a l'encens. C'est l'encens Christian. Je connais pas. Ils sont super bons et en même temps ils sont pas trop forts. Comme ça, je pense que ça prend pas trop la tête. Voilà. L'atelier d'Isis. Ah oui, et dans chaque box, du coup, ils font un genre de partenariat. Enfin, je sais pas si on peut dire partenariat, mais une collaboration avec un petit artisan ou quelque chose de local, il me semble. Et là, du coup, pour ce mois-ci, ça va être l'atelier d'Isis. Donc, si je ne me trompe pas, l'atelier d'Isis, c'est tenu par la maman du copain de Sarah. Donc, trop cool. Elle fait des bijoux. J'ai vu qu'elle avait fait des bijoux en collection Aphrodite, je crois. C'était magnifique. Vraiment, c'était trop beau. La petite carte, elle se présente comme ça. Il y a un truc à scanner derrière. C'est peut-être pour Insta, je sais pas. Et là, du coup, on a un petit bijou. Magnifique. Bah, du coup, je pense que c'est des pierres de soleil. Avec là, vous avez un petit soleil. Après, c'est la petite corde comme ça. Trop sympa. En plus, c'est bien parce que du coup, c'est réglable et ça va à tout le monde. J'ai un tout petit poignet d'enfant. Ouais, il est trop trop beau, j'adore. Ah, il est trop mince. Et là, du coup... Ah, ok. C'est un buste d'homme, comme ça. En plâtre, je pense. Ouais, je pense que c'est du plâtre. Et c'est fini pour couper. Ouh, on est là-bas. On va juste lire la carte. La box mensuelle juillet 2022. Hélios, le feu solaire. Ah oui, du coup, oui. Hélios. Alors, le contenu. Un encens du soleil. Donc, l'encens du soleil. Le porte-encens soleil, c'est ça, en métal. La statuette artisanale d'Hélios, fait main par les Dryades en plâtre. Oui, donc du coup, c'est bien en plâtre. Et le bracelet fait main par l'atelier d'Isis.
C'est trop cool. Bon, après, vous avez l'utilisation de chaque objet. Donc, vous voyez ici, sur le menu, ça se présente comme ça. Vous avez le menu. Ici, vous avez soit le mythe ou la situation. Donc là, c'est du coup le mythe de Hélios. Vous avez le contenu ici. Et pour chaque contenu, vous avez l'utilisation que vous pouvez en faire. Je trouve que c'est trop cool, c'est bien fait. Du coup, là, ça fait 4 mois, je crois, que je reçois les box parce que j'ai pris un abonnement de 6 mois, si je ne me trompe pas. Vraiment, pour l'instant, ma box préférée, je crois, bah du coup, ouais, ça devait être la box Perséphone. Mais vraiment, celle-ci, elle arrive en top 2 parce que rien que... Vraiment, ça, je pense que c'est mon objet préféré de la box. Et le petit bracelet, j'adore les bracelets, j'en ai tout le temps partout. Et il est vraiment très très beau. Ah ouais, c'est ça, c'est mon truc préféré de la box, j'adore. Voilà, cette vidéo était assez courte. Mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à la prochaine.